Pour Grand Sud FM, le demi d'ouverture de la section paloise, c'est André Our. André, premier match, première victoire, mission accomplie côté palois. Oui, c'était très bien. On a disait que ça va être très très difficile parce que Narbonne c'est une très très bonne équipe. Mais c'était bien, le vent était un peu spécial comme Narbonne tout le temps, mais ça a été cool. Alors cette équipe de Narbonne, elle vous a posé des problèmes en première mi-temps, notamment en envoyant beaucoup de jeux sur les extérieurs. Oui, déjà l'année dernière, l'équipe de Narbonne, ils ont beaucoup bien joué parce qu'ils envoient les jeux partout. Donc malheureusement pour eux, ils sont tombés quelques ballons, mais c'était bien pour nous après. Donc c'est dommage, mais Narbonne, c'est une bonne équipe. Tu as retrouvé à la mêlée un complice de tes années d'Albi, puisque c'est Kevin Boulogne qui a fait demi-mêlée avec toi. C'est sympa de retrouver un vieux compagnon comme ça. Oui, c'est sympa pour trouver les anciens copains, mais après, il faut qu'on parle plus entre nous. On a quelques soucis encore, mais ça va aller après, c'est pas un problème. Donc Pau, qui a des ambitions cette année, a fait un gros recrutement. Ça s'est passé comment, l'arrivée des recrues à Pau cette saison? Oui, on a les recrues sont arrivées, sont très sympas, sont très gentils. Déjà, c'est le plus important. Et ils ont bien entré dans l'équipe. On a bien gagné ce soir, donc ça va très bien. On est content. Écoute, merci André, puis bon retour du côté de Pau. Merci à vous et bon courage pour la saison. Hein, à la suite.